C'est sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, que s'est tenue ce 5 mars dans le 3e arrondissement Poto-Poto la cérémonie de la pose de la première pierre de la tour Espérance de la Caisse nationale de sécurité sociale Saint-Saëns en sigle, dans la vision d'enrichir l'architecture de la ville de Brazzaville ainsi que de répondre aux attentes de la population congolaise sur l'émergence du Congo. Firmin Ayessa, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, sur le but de cette rencontre. Nous sommes ici pour saluer et célébrer l'infatigable bâtisseur, l'homme des actions concrètes que vous êtes et demeurez toujours. Le guide lucide qui mène son peuple avec assurance vers l'émerge du développement par une marche qui exige de tous détermination, ténacité et persévérance. Dans son élan vers le développement, Evariste Ondongo, directeur général de la SANCES, sur la valeur de ce projet. Dans cet élan vers le développement, elle ne veut pas être franchie sur ce point. La construction d'un immeuble à usage commercial dénommé Tour Espérance. Ce projet, mûrement réfléchi, spécialement étudié pour répondre à la demande en espace public modèle et sa reconférence au FIRA. Une qualité et un prix de location au mètre carré garantissant sa rentabilité. Lucie Okemba, maire de l'arrondissement 3 Poto-Poto, dans son mot de bienvenue, exprime sa satisfaction. Monsieur le président de la République, vous rendez Poto-Poto fier d'abriter une telle infrastructure dont la modernité et l'excellence se poursuivront comme une convergence, je l'espère, du soir. Au siège historique de l'arrondissement numéro 3 que j'ai l'honneur d'administrer. Cette cérémonie a été honorée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre de la Communication, de la directrice générale du Mémorial Pierre Savagnin de Brazza, ainsi que des directeurs généraux. Rappelons que la Tour Espérance est un projet de la SANCES qui comportera 28 niveaux.